Amusez-vous bien! La pizza elle est prête! Allez, je suis à la table! Amélia, Daniel! Ok, on arrive là. Mais les parents, ils arrivent quand? Du coup, les parents sont partis dîner chez les voisins, c'est à côté, je pense qu'ils vont rester 2 heures. Bon, allez, faisons la table. Ou en fait, on va manger dehors, non? C'est mieux? Oui. Il fait pas si froid dehors, bah ok. C'est trop bien. C'est bon? Ouais. Elle est bonne la pizza? Elle est bonne la pizza? Non, mais que c'est toi qui l'a préparée. Non, okay. Je l'ai préparée. Bon, super. Il m'a fait la même chose pour les pâtes la dernière fois. Mais pourquoi il n'y a pas assez de pizza? Pourquoi elle est toute petite? Bon, ça va. Et si vous auriez voulu plus de pizza, bah, t'avais qu'à m'aider. Bah, de part, c'est assez. Hein. Du coup, on va aller au concert. Il n'y a pas un buisson qui. Qu'est-ce que t'as vu? Non, non, bah en fait j'ai juste eu l'impression que le buisson il bouge comme ça, mais. Mais je sais pas. Non, mais ça bouge vraiment, regarde! Je pense que c'est soit un chat ou un écureuil. Y'a un autre arbre qui bouge! Un autre buisson! Mais non, mais regardez, y'a un autre buisson qui bouge! Bon, venez, on se lève et on y va! Allez, dépêche-toi! Prends ça, prends ça! Je suis allée vers le monstre en plus. Vous savez, j'ai vraiment peur, j'ai cru qu'il y avait vraiment quelqu'un dehors. Oui, moi aussi j'ai vraiment eu peur, on a qu'à appeler les parents. Mais non, non, ça sert à rien de les déranger, on n'a rien vu, on a juste vu des buissons bouger quoi. Peut-être que c'est... Mais peut-être que c'est un animal. Ou c'est le vent. Je sais pas. C'est quoi ça? Oui, ça allume. Ah, vraiment pas. Tu l'avais laissé allumer? Non, non, non. Fait vraiment peur là, je pense vraiment à flipper. Arrête. Non mais c'est ça la question, pourquoi ça s'allume tout seul? C'est ça en fait le problème. Pourquoi ça s'allume tout seul? Oh purée. Oh, oh mon dieu. Non, je joue pas avec ça. Non, il est là, il est là. Non, il est là, pardon, là, je joue vraiment pas avec ça. Moi aussi. Il s'est éteint tout seul en plus. Oh, ah non. Non. Peut-être qu'il y avait juste un dysfonctionnement d'eau, de circulation d'eau, je sais pas, des tuyaux d'eau. Je sais pas pourquoi t'es derrière moi, c'est toi qui dois me bouger. Non, c'est toi qui me protèges. Mais non. Ah, mais peut-être c'est les travaux des voisins. Oui, peut-être, on s'imagine trop le truc. Allez, c'est bon. On a qu'à regarder une vidéo. Ouais, on va regarder un film et une vidéo comme ça, on se calme. Venez, regardez. Non, 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 où on va? Venez, on s'assoit, on va parler. Arrêtez, mais c'était quoi ça? Ah, c'était quoi? D'abord, il y a eu les bruits. Maintenant, après. Non, pas les bruits, les feux qui bougent, ça qui se casse, l'eau qui s'allume. Oui. Imaginez, on a, je sais pas, une entité dans la maison, un fantôme, je sais pas. Oui. Peut-être qu'on va y aller chez les voisins, non? On n'a pas de chaussures. Ouais, j'ai pas de chaussures, on peut plus changer de chaussures. Moi, ici. Oui, ben c'est pas grave, ils vont comprendre qu'on a eu peur. On a qu'à appeler les parents. T'as ton téléphone? Non. Moi j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Mais si on les appelle, on va dire quoi? Tout ce qui s'est passé quand même. Bah imagine, je sais pas, il y a eu des mini tremblements de terre. Oui, là ils vont dire oh c'est faux. Ouais, j'avoue, ils vont dire que c'est faux, qu'on invente juste pour qu'ils arrivent à la maison parce qu'on a vraiment peur, mais qu'il s'est rien passé. Et on va se mettre la honte devant les voisins. Voilà. Mais on a qu'à y aller à la maison alors? Non. Mais non, il y a un démon là. Mais en fait, on est moins en sécurité dehors qu'à l'intérieur. Non. Non. Je suis plus à la sécurité à l'extérieur. À l'extérieur. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire.
yeah. All I need are some better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Du coup, on doit rentrer à la maison, prendre des chaussures, charger nos téléphones. Attends, moi, chaussures ou pas chaussures, je cours. Hein. Non, rentre. Il y a personne dans la voiture en plus. On rentre. Mais il y a personne dans la voiture. Ouvre, mais ouvre. Ouvre. Ça va pas. Allez, on se cache où là. Attends, on regarde si elle a les clés de la voiture que peut-être parce que... Bah, on regarde si elle a la clé de la voiture parce que peut-être papa ben, il est à côté donc il a sans faire exprès touché ses clés, ça a allumé la voiture. Oh, elles sont là les clés. Bon, vous restez ici, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans la voiture, ok? Ok. Les dernières sont là. Elle est encore allumée. Wesh, les portes elles sont toutes ouvertes. Mais elles étaient fermées. Il y a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ça fait trop. Ah! J'entends. Mais Daniel! Mon dieu, plus jamais ça me fait peur comme ça. Daniel, arrête, on fait exprès de ta langue, t'as peur, j'ai entendu avant. Allez, on rentre. T'as cherché ton téléphone? Non. Bon, on doit fermer tout. On va regarder si tout est fermé. C'est fermé. La porte, Daniel. C'est fermé? C'était pas fermé? Oui. J'avais fermé. Il faudra qu'on range ça, c'est cassé en plus. Mon dieu, ça fait trop. Bon, moi je vais m'asseoir sur la table. Moi aussi, plus. Bon, Amélie va chercher le chargeur pour le téléphone. Non, j'ai peur, t'es malade toi. Allez, s'il te plaît. Bon, là on est assis, on regarde la télé et s'il y a quelque chose qui se passe, on appelle nos parents. Donc va chercher le chargeur. T'es malade? Non, j'ai trop peur. Hein. Allez, va, s'il te plaît. Non, j'ai trop peur. Bon, alors, on va tous ensemble. T'as dit quoi, Daniel? Hein? T'as dit quoi? Je voulais dire on y va tous ensemble. Bah allez, on y va tous ensemble. Allez. Hey, c'est moi là tout devant. C'est toi tout devant? C'est moi qui ai pensé. Mais c'est quoi ça déjà? Daniel, tu veux aller? Touche pas. Mais c'est quoi ça? Il y avait quelqu'un. Oui, je pouvais. Laisse-moi. Où le chargeur? Il est là? Le chargeur? Il est pas là. Mais j'ai envie de le prendre. Mais j'ai stressé, tu vois. Bon, on va rester ici. Il y a qui? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un? Arrête de mentir, y'a personne, c'est chaque fois. Dans les buissons. Il y a rien dans les buissons. Il y a rien dans les buissons. Mon dieu, arrête de mentir. Il est parti. Bon, venez. Daniel, arrête de faire le malin là, tu vas pas te battre à quatre coups. Allez. On se cache là, on se cache là. Vite. Y'a pas de fenêtre, y'a rien. Bon, on va attendre que nos parents rentrent. En plus, là on est caché, mais on dirait même pas que c'est une porte, c'est un tiroir, une armoire. Oui, mais arrête de parler trop fort. Dans la cuisine, donc ça se voit même pas. Il va pas deviner qu'on est caché. C'est quoi si on éteint la lumière? Parce que tout le monde, ça va savoir. On voit plus rien, mais là. Et je sais pas, il cherche un chargeur. Daniel! Y'a rien de drôle là. C'est quoi, juste un chargeur? Vas-y, je vais te. Cherche un chargeur aussi. Bah du coup on attend nos parents ici. Quoi?
Comment tu veux qu'il y ait un chargeur ici? Il y a du papier, il y a du sucre, du café, des pâtes. Mais là, on peut vivre ici, hein. Avec des liens de là, on peut pas préparer en fait. Il n'y a rien en fait, il n'y a que les trucs de cuisine. Ah, mais il y a marron. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, enlève ça! Naval, tu me tords rien et que ça doit pas entrer dans tes yeux. Purée, je suis pas sûre de ouvert. Il rigolait bien hein, qu'ils nous entendent aussi. Hein. Voilà. Ok, on arrête. Oh, j'ai sauvé Lina, donne-moi quelque chose à boire. Bah tiens, il n'y a que ça. Non, de l'eau. Si tu veux de l'eau, c'est dans la cuisine et tu vas y aller toute seule. C'est comme ça, j'y vais. Ah bah alors, va toute seule. Je me fais un plaisir. Et là, tu meurs. Chut. C'est bon, j'ai mon eau. Bon, t'es contente? Et du coup, il y avait quoi? Pour ça, il y avait rien. J'ai vu encore l'assiette cassée par terre. Bah venez, ça fait déjà 30 minutes, on a 30-40 minutes qu'on est là, il s'est rien passé, donc on peut sortir, je pense. Je pense que oui. Allez, vas-y, on y va. On y va. Non, il y a... Abel! Il y a que toi qui est sorti, c'est toi qui a fait ça? Oh, en fait, j'ai compris ton jeu. Donc ça veut dire que c'est toi qui nous fait apprendre depuis le début? Mais non! Mais si, je comprends, c'est toi qui a fait l'assiette. Comment t'as fait l'assiette? Comment t'as fait l'eau? Tu l'as éteint, tu l'as rallumé, hein? Non, Elina, là, c'est vraiment, je reviens, je suis ici, j'ai pas la télécommande. On rentre. Ah! Oh mon Dieu!